Eh ben bonjour, voilà, j'ai aucune intro à faire. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour acheter un de ces trucs. Voilà, donc je sais pas pourquoi je vais acheter ça, parce que la classe qu'on a dessus, clairement, on a juste l'air ridicule. Mais j'aimerais un petit poney pour l'appeler Gaston. Donc là, on va regarder tous les poneys. Donc on a lui, un petit alezan brûlé. Enfin, ils appellent ça alezan brûlé, ils appellent ça comment? Ben, il n'y a pas de nom. Voilà. Ensuite, on a un petit gris. Lui, Gaston, ça lui irait bien. Ensuite, on a ça. Mais ça, je l'avais déjà eu et ouais, je l'aime bien, mais je l'aime pas. Ça ne veut rien dire du tout. Ouais, en plus, mes chevaux, bah, ils sont littéralement rouges. Hein. Je paye pas la palefrenière. Ouais, je suis une grosse rapia. On a lui, mais je l'aime pas parce qu'il est gris-souris. Enfin, j'aurais gris-souris, mais alors non. Merci, mais non, merci. Ensuite, on a ce petit truc. Voilà, donc lui il est pareil, il est mignon. Et à la fin, on a ce truc. Voilà, donc j'ai même pas de nom de robe, hein, à Palouza dégueulasse là. Donc je vais partir en grande réflexion pour savoir ce que j'aimerais acheter. Bon, j'ai toujours pas choisi, hein. Je pense que je vais prendre au pifomètre. Genre, je vais tourner comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, attendez, ah, j'ai une idée. Je vais me mettre au milieu du truc, on voit plus rien parce qu'il y a le toit, merci. Et il faudrait que j'aie une visu sur tous les poneys. Voilà, et après je vais faire tourner ma souris bêtement. Et ce sera Poney Jorvicois Aléatoire Challenge, voilà. Donc on ne voit pas lui là-bas, voilà, on va dire, on les voit tous. Donc hop, je vais tourner, je vois que j'ai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Bah je suis vraiment entre les deux, donc je vais refaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh non! Et bah ce sera celui-là, voilà. Le petit pi. Donc, on l'achète. Oh là là. Et les noms, c'est un peu désastreux, hein. Je vais l'appeler. Valrus. Je sais pas comment ça. Et bah, Aura, c'est très bien. Bim, voilà. Hop là. Et on se retrouve à l'écurie. Et puis potentiellement dans la carrière. Donc on va savoir que l'ensemble est vraiment magnifique, hein. Clairement c'est dégueulasse, hein. J'ai honte de sortir comme ça, puis là il y a tous mes chevaux qui sont entassés. Bon, l'avantage c'est que ce sera le seul poney magnifique qui sera vert. Du coup je vous le présente, hein. Ça c'est du pas, voilà, ça c'est du trot, ça c'est du petit galop, c'est clairement moche, ça c'est du galop moyen, en vrai ils sont choux, quand même, non, ils sont choux quand même, ça c'est du grand galop, puis ça c'est du saut. Ah bah il s'écarte, hein. Regardez ses jambes. Ah enfin ça le fait qu'au grand galop, je vous remontre. Voilà, et ça, c'est un arrêt d'urgence. Voilà. Du coup, je vous explique. Alors, on va appeler ça le Poney Jorvicois Aléatoire Challenge. Donc, c'est simple. Vous allez voir au niveau de Fort Pinta les Poney Jorvicois, ok. Vous essayez de tous vous les mettre dans le visu. Et vous faites tourner votre souris bah, comme ça pendant 10 secondes. Et genre, quand vous allez sur 10, bah, il a un bug. Bah, vous arrêtez votre souris et vous devez prendre le poney qui est le plus près de votre souris. Donc après, s'il est entre deux comme moi j'ai eu, bah, vous recommencez. Et voilà, du coup, si vous êtes intéressé par ce challenge, et ben bah, faites-le et mettez un petit hashtag Poney Jorvicois Challenge. N'hésitez pas à mettre un lien vers ma vidéo parce qu'en fait, je viens d'avoir cette idée de challenge. Je savais pas, je voulais tourner une vidéo, mais je savais pas quoi. Du coup, voilà, c'est le Poney Jorvicois Challenge. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo très rapide, mais c'était sûr de vous en sortir une parce que j'avais très envie de faire une vidéo sur SSO. Et sur ce, je vous dis à bientôt en vous souhaitant une bonne fin de journée. Ciao, ciao, et en plus, surtout pas, et fou. Buggé, allez, au revoir.